Bonsoir. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, je m'appelle Maryse Desrochers et je suis la sœur d'Isabelle Desrochers que nous soutenons ce soir par notre présence. Je voudrais d'abord exprimer toute ma reconnaissance pour votre appui et votre générosité, avec en particulier un grand merci pour les musiciens, la soprano Suzy Leblanc qui a initié ce projet, les flûtistes Claire Guimond et Nathalie Michaud, le luthiste Michel Anger et la claveciniste Geneviève Sely. Ils ont dû non seulement trouver, malgré leurs agendas extrêmement chargés, une date commune de libre pour le concert, mais de plus prendre en charge une grande partie des détails d'organisation qui s'y reliaient, en particulier dans le cas de Geneviève. Je voudrais aussi remercier mes tantes, Marielle Richer et Hélène Dursault, pour les bouchées qui seront servies à la réception, Robert Bénard de la Maison d'Ansault pour la livraison et le service des bouchers, Claude Dalfond pour la location des lieux et pour les boissons servies à la réception, Daniel Arsenault pour l'organisation des bénévoles et de la mise en page des documents, ma cousine Viviane Lachance pour la page Facebook du concert, ainsi que tous les autres bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Grâce à vous tous, nous avons dépassé notre objectif et nous en sommes à près de 18 000 $. Quand ma nièce Flore de 10 ans m'a appelée de Paris le 31 décembre dernier pour me dire qu'elle était chez une voisine et que sa maman était partie à l'hôpital, je n'ai pas réussi à absorber ce qu'elle me disait pendant plusieurs minutes, car j'avais parlé à Isabelle au téléphone juste quelques heures auparavant et elle était en pleine forme. Malheureusement, son AVC s'est produit pendant la nuit et Flore n'a donc pas pu porter secours à sa maman avant son lever à 11 h du matin. Même là, Isabelle étant très confuse, elle a fait attendre Flore plus de 2 heures avant de la laisser aller chercher de l'aide. Le blocage causé par un gros caillou a donc continué ses ravages sur le côté droit du cerveau. Descendu par les pompiers par la fenêtre de son appartement du 7e, transférée d'abord à l'hôpital du quartier, puis à un autre hôpital spécialisé en neurologie. On a finalement pu libérer le blocage en fin de soirée, mais on a aussi dû enlever un volet crânien afin d'alléger la pression au cerveau. Quand je suis arrivée à Paris le matin du 2 janvier, Isabelle était dans un coma induit chimiquement, mais dès son réveil, quelques jours après, complètement paralysée du côté gauche, ne pouvant ni ouvrir les yeux, ni respirer par elle-même, elle a commencé à communiquer par écrit, demandant à voir sa fille et à ce qu'on lui apporte de ses CD qu'elle voulait autographier comme cadeau pour le personnel hospitalier. 4 mois plus tard, elle est maintenant dans un hôpital de réhabilitation et il semble qu'elle va probablement y rester au moins jusqu'en décembre. Physiquement, son bras gauche est toujours inerte, mais elle a retrouvé un certain contrôle de sa jambe gauche et peut maintenant faire quelques pas. Elle a aussi impressionné ses thérapeutes par ses grands progrès au niveau de la prosodie, c'est-à-dire tout ce qui concerne sa voix, qui avait été très affectée, ainsi que de son hémidiligence, une condition où le cerveau nous dit que la moitié gauche de l'espace n'existe pas. Elle est très déterminée à guérir et progresse aussi au niveau cognitif, bien que certaines de ses remarques semblent suggérer qu'elle n'est pas toujours tout à fait consciente de sa situation. En janvier, nous avons eu la grande chance que Mathilde Johannin, petite-fille d'Hélène, se soit engagée à aller habiter avec Flore à Paris jusqu'à la fin de l'année scolaire, avec pour but de la sécuriser le plus possible. Flore commence à prendre davantage conscience que sa maman ne va pas guérir bientôt et que sa personnalité est affectée par les troubles neurologiques dont elle souffre. Abandonnée par son père avant sa naissance, très affligée de la mort subite de sa grand-mère qui s'en est tant occupée, Flore a temporairement un peu perdu sa maman et c'est très dur pour elle. J'aimerais pouvoir dire que nous avons sa situation bien en main pour cet été et pour septembre, mais tout est encore incertain. Ce que vous avez donc donné à Isabelle et à ses proches, ce sont des choix, et surtout du temps. Du temps pour qu'Isabelle puisse récupérer le plus possible avant de prendre des décisions pour son avenir. Je voudrais finir en partageant avec vous à quel point je suis fière de celle qui restera toujours dans mon cœur, ma petite sœur. Depuis près de 3 ans, elle a été assaillie de souffrances et de difficultés, et elle a continué, comme elle continue toujours, à se battre et à triompher. À un âge où nous commençons souvent à ralentir, avec nos enfants élevés et nos carrières établies,
Elle s'est retrouvée, après la mort de nos parents en 2012, démunie de la sécurité affective et financière qu'ils lui prodiguaient, toute seule pour élever sa fille, avec un métier où il faut continuer à se vendre et où l'âge et l'expérience ne sont pas toujours valorisés. Elle pouvait passer des semaines à se préparer pour une audition, pour parfois se faire dire qu'elle était de loin la meilleure candidate musicalement, mais qu'on voulait quelqu'un de plus jeune pour le rôle. À l'automne dernier, elle s'était donnée à corps plein pour préparer des ateliers musicaux à l'école de Flore, et après un départ rude devant trois gamins assez turbulents, elle avait tourné la situation en victoire avec un spectacle de fin de session absolument magnifique. Pendant mon séjour à Paris début janvier, j'ai été émerveillée par le soutien de son réseau d'amis, réseau si étendu que j'avais dû me faire des listes pour m'y retrouver entre les mamans d'école, les bouddhistes, les voisins, les musiciens et les amis tout court, tant de gens, là-bas comme ici, dont Isabelle a touché la vie avec sa grande chaleur humaine et sa générosité. À mon retour à Paris fin juin, j'ai hâte de pouvoir partager avec elle tous les commentaires, tous les noms de ceux qui ont donné leur soutien. Nous lui avons parlé plusieurs fois du concert et elle est étonnée et presque gênée de la générosité qui lui a été prodiguée. Pour Isabelle donc, encore merci. Je vous demanderai maintenant de fermer vos cellulaires et je dois vous dire qu'il est strictement interdit de prendre des photos ou d'enregistrer le concert. Please, if you could turn off your cell phones, and it is forbidden to take pictures or to take the concert. Thank you very much. Thank you.
Nous avons toutes et tous été très touchés de l'accident d'Isabelle. Et il n'y a pas une journée qui s'est passée sans que je pense profondément à elle. Et j'ai été, dès le début de son accident, en contact avec les sœurs Ursulines de Québec, puisque nous avions eu le bonheur de faire un concert autour de Marie de l'Incarnation, la fondatrice des Ursulines, une des mères de la Nouvelle-France d'ailleurs. Et c'est Isabelle qui avait imaginé tout ce concert qui a été présenté aux Idées Heureuses quelques mois après le décès de sa maman, donc en septembre 2012. Et dès le début, les sœurs Ursulines m'ont écrit des messages tous plus touchants les uns que les autres. Alors je faisais suivre à la mère supérieure de Québec les mots que Annie Durso, la cousine d'Isabelle, nous faisait parvenir sur l'état de santé. Et j'ai voulu simplement vous donner le goût, la teneur de ces mots qui étaient si doux auprès d'Isabelle, pour Isabelle vous lire quelques mots de la part donc des Ursulines, dont certaines sont présentes ici ce soir. Ce sont des mots que j'ai retenus presque par hasard, en fait, et c'est un langage parlé entre deux personnes. Que ça prend du courage au quotidien pour notre chère Isabelle, d'après les derniers courriels d'aujourd'hui. Sa récupération avance tout doucement. Je prie pour que sa ténacité ne s'use pas au fil du temps. La marche à l'intérieur est privilégiée pour le moment. C'est son autonomie qui grandit jour après jour, j'espère, avec elle. Jeudi, il s'agit de jeudi dernier, fête de Marie de l'Incarnation au monastère de Québec. Belle occasion d'aller prier près d'Isabelle, près d'elle pour Isabelle. Mère Marie est enterrée au monastère. Ce sera un partage de notre communauté ursuline qui porte Isabelle dans le réconfort et le soutien par la prière toute remplie d'espérance à son égard. Le concert s'en vient. La communauté ursuline est présente à la belle et grande solidarité de ce jour musical. Je serai en pensée avec tout le bon monde réuni. De la musique pour la santé morale, que c'est bon. Je souhaite un franc succès à cette magnifique initiative. Alors je poursuis le concert en l'honneur d'Isabelle avec trois pièces que j'ai choisies dans le répertoire français, puisqu'Isabelle était très liée à cette musique, elle vit à Paris, et elle a beaucoup travaillé au Centre de musique baroque de Versailles. J'ai donc choisi comme première pièce une pièce très majestueuse qui représente bien le grand siècle de Louis XIV qu'elle connaît si bien, et qui s'intitule « La Flore », que je dédie bien entendu à sa petite fille Flore. J'enchaînerai, c'est une pièce de François Couperin, j'enchaînerai avec une autre pièce de Couperin, Les roseaux, parce que tout le monde sait que le roseau plie, mais ne rompt pas. Et finalement, je terminerai avec Les étoiles, pour illustrer la lumière intérieure qui était rendue dans le magnifique sourire et les yeux d'Isabelle, qui était la lumière, qui est la lumière en fait pour moi, qui représente la lumière incarnée. Donc ces étoiles, c'est une pièce de Michel Corrette, un autre français, mais elle scintille de toutes parts, et je la jouerai sur le jeu le plus délicat du clavecin pour illustrer donc ce beau sourire d'Isabelle Desrochers. Thank you.
Thank you.
pièce absolument appropriée. On dirait que toutes les petites clochettes du monde entier se sont mises en action. Je suis sûre que Isabelle les entend à Paris. Moi, je voulais vous parler brièvement de mon amitié avec Isabelle quand on avait à peu près autour de 18 ans. On s'est rencontrés à travers la musique. Et Isabelle jouait la flûte à bec à cette époque-là. Et puis elle se mettait au chant. Et moi, j'étudiais le chant, mais j'aimais jouer la flûte à bec. Donc, on s'est mis ensemble, puis on faisait des duos de chant avec des ritournelles à la flûte à bec. Donc, on sortait, puis on rentrait la flûte en chantant, puis on faisait des ritournelles. Et on jouait dans les parcs, dans les métros, tout ça. On essayait de se faire du répertoire. Puis on avait beaucoup de plaisir. Puis on faisait aussi la musique avec notre ami François, qui je pense est dans la salle. Je vous l'avais déjà. Alors, après, c'est sûr que quand ils avaient déménagé à Paris, moi j'étais en Angleterre, on s'est un peu perdu de vue parce que la vie professionnelle demandait beaucoup de notre temps à chacune. Mais on a quand même resté en contact un petit peu. Et puis, je savais qu'elle était bouddhiste et moi aussi, donc de temps en temps, je pensais à elle en lisant. Donc, on va vous faire deux pièces de Jean-Sébastien Bach. Willst du dein Herz mir schenken et bist du bei mir? C'est deux pièces qui sont tirées du petit livre d'Anna Magdalena, l'épouse de Bach. Et c'est vraiment des pièces qu'on peut imaginer qui étaient faites en famille. Donc, puisqu'on est un peu en famille, j'ai pensé que ce serait approprié de faire ça. La première, ça dit « Si tu veux me donner ton cœur, fais-le en secret. Il ne faut même pas faire confiance au mur. Il y a des gens envieux, il y a des gens jaloux. Et même un seul regard pourrait nous trahir et nous mettre en péril. » Donc je ne sais pas de qui il parle exactement. Et la deuxième, qu'est-ce qu'il va lire, c'est tout simplement que quand tu es près de moi et que tu me prends la main, toutes les épreuves, même les plus difficiles de la vie, sont beaucoup plus faciles. Thank you.
soir, je vous propose ce soir deux pièces, deux très courtes pièces d'un compositeur italien que j'apprécie. Je vous dirais vraiment, c'est un de mes préférés. Il s'appelle Alessandro Piccinini. Et les deux pièces, vous savez, à l'époque, quand on parlait les titres et avec. Sauf pour la musique vocale, les titres de pièces instrumentales généralement étaient un peu, disons-le, avec un titre pratique. Alors, vous savez, pièce numéro 1, pièce numéro 2, pièce numéro 3, et on faisait un bouquin comme ça. Alors, je vous propose la toccate numéro 6, qui est ma préférée de toutes, et la corrente, qui est construite sur la toccate numéro 6, la corrente qui, à l'époque, était la danse en vogue. Vous savez, nous, on a connu la lambada, on a connu le ska, à l'époque, c'était la corrente. Thank you.
c'est pas pour cette vidéo. Alors, on va m'asseoir. Je vais présenter les deux dernières pièces que nous allons vous interpréter. La première, ce sera le mouvement de la basse en la mineur originalement pour la flûte traversière. Donc, j'en fais une adaptation à la flûte avec. Ça, je mets en deux mineurs. Donc, une allemande suivie d'une. Est-ce que je dis? Oui, c'est ça. Une allemande suivie d'une courante. Et après ça, nous allons jouer un air du cantal, le cantal 208, qui s'appelle Schafferkönig. Voilà, merci beaucoup. Alors, si on se fie au titre, on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une pièce. Des moutons qui peuvent être tout en paix. On s'imagine l'imagerie en fait, chrétienne où les moutons, ce sont les croyants et puis Jésus va s'occuper d'eux. Mais en fait, non, il ne s'agit pas d'une cantate religieuse, c'est une cantate profane. Alors probablement que les moutons, c'est quand même le peuple, n'est-ce pas?